Bonsoir, 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 bonsoir. J'ai oublié de mettre en charge le téléphone, merde, c'est pas grave. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, ici Foil, j'espère que vous allez bien. Que vous avez passé un excellent mercredi. Qui dit mercredi dit le jour des petits. Et qui dit le jour des petits dit Animal Crossing. Voilà, pourquoi Animal Crossing? Parce que c'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà, nique sa race. Donc voilà. Et voilà, c'est mieux comme ça. Effectivement, c'est un petit peu mieux comme ça. Et voilà, bah j'avais envie un petit peu de continuer Animal Crossing, hein, parce que bon, la dernière fois on a planté les arbres. Donc maintenant les arbres ont poussé. Et ben voilà, maintenant il faut récolter, hein, il faut récolter les fruits de sa semence. Et sans plus tarder, let's go. Let's go. Alors, parce que je me suis un petit peu connecté en parallèle, bien évidemment, je me suis un petit peu connecté. On a le départ, oh, le départ regretté de Mathilda. Oh là là, c'est dommage. C'est vraiment dommage, je la regrette déjà. OMG, je la regrette déjà. Je la regrette très fortement. Je suis triste, hein. Hashtag de la tristesse. La tristesse se lit sur mon visage. Mon Dieu, Mathilda, le tamanoir. Je m'en bats un petit peu le steak. Tabaï, le nouveau DLC. Non, pas encore. Non, pas encore. Non, c'est pour ça qu'on prépare. On prépare à l'arrivée du DLC. On prépare l'arrivée. De toute façon, le DLC sera disponible le 5 novembre. Donc, on n'est pas encore le 5 novembre. À moins que je fasse un time skip et abracadabra. Mais du coup, voilà, super. On va pouvoir du coup finaliser notre petit chantier. Ah, dommage. Non, je l'ai pas encore acheté. Pas encore. Je vais l'acheter. C'est malheureusement sûr. Mais si, je vais l'acheter. Mais après, ouais, comme je disais, il sort le 5 novembre. Donc là, je vais attendre un petit peu. Je vais pas me ruer Day One, alors qu'il y a strictement rien, quoi. Il y a strictement rien. Il y aura juste le 5 novembre, du coup, le DLC, l'arrivée du DLC. Mais également l'arrivée de la grosse mise à jour. Donc voilà, bon, du coup on va pouvoir récupérer tous nos fruits. J'espère que ça fera assez de moulaga pour finaliser le chantier du pont, parce que j'en ai marre de sauter à la perche d'une rive à l'autre. Et comme ça on va pouvoir aussi enclencher le futur chantier et aussi réfléchir à éventuellement prendre un petit peu de hauteur au niveau de l'île. Je pense qu'on va rajouter quelques petites hauteurs, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, du coup ça rend bien, ça c'est assez stylé. C'est assez stylé là, les petits arbres. Les petits arbres sont assez stylés. Je suis assez content. Donc ça fait cool, un poirier avec pomme. Ah non, pomme, non, non, c'est. Ah, en fait, ça. Non, là, je l'ai mis au pif, merde. C'est pas là. C'est pas là, c'est de l'autre côté. Mais du coup, là, ça fait assez sympa. Ça fait assez sympa, là, ce petit passage. Et du coup, ça fait un peu moins vide. Ça fait un petit peu moins vide. Alors, oh putain, on a Napoléon qui est sous l'arbre. Putain, mais vas-y, mais dégage. Putain, mes gros boulets, va. Putain, mais vraiment le boulet, hein. Toute façon, on va le dégager. On va le dégager. Tu as dégagé Napoléon, parce que là, je récupère des fruits, là. Je récupère des fruits, là. On a besoin de sous, là. On a besoin de moulaga. Mais on s'en fout! Putain! Ah bah merci! Merci beaucoup! Merci beaucoup pour ton tip! Merci pour tes 3 euros! Bah du coup ça participera activement à l'achat du DLC, merci beaucoup! Merci beaucoup, il fallait pas, il fallait pas. C'est très gentil, merci beaucoup. Ah là 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 là. Yonick a posé 3 euros au KLM sur la table. Mais si t'inquiète, c'est gentil. Et Anonymous qui lance 100 bits avec 100 bits, le Phasmophobia Ghost. Alors soit c'est Anonymous, soit c'est Yone qui se cache derrière le Phasmophobia Ghost. Mais moi, mais alors, ça m'a, c'est dommage, ça a pas spécialement marché.
Parce que du coup, en fait, j'ai le on va dire le retour sur l'écran. Tiens, regarde ce beau extrait si tu veux, recommandé par ton frère. Ah, bah merci beaucoup. Ah merde, ça a pas marché. Putain, merde, ça a été censuré. Darky qui s'y met. Putain, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Oh là là. Avec ou sans vaseline? Oh là là, et ça y est, ça commence. Oh là 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 là. Et du coup, ouais, non, ça a censuré, merde. Mais c'est Wisebot Quand qui on n'a pas de technique, censure. faut y aller à la zob. Ah bah là, faut voir. Ouais, bah là, c'est y aller, mais clairement à la zob. Là, c'est pas faux. Là, comme dirait Perceval. Ouais, c'est pas faux. Voilà, ouais, c'est pas faux. Ah merde, bah si tu peux, envoie-le sur Discord, mets-le sur mets-le sur le Discord. Alors je sais pas si tu es sur le Discord ou pas. Tac, mais je te mets, hop là, le lien du Discord. Donc n'hésite pas à le mettre sur le Discord, parce que du coup, Wisebot le dictateur, supprime les trucs. Et GG pour ton badge des 1 kbits. GG, alors là. Je veux une salve d'applaudissements dans le chat parce que alors là, le badge des 1 kbits est tombé. Incroyable. Bravo. Bravo, bravo. Félicitations. Ça fait beaucoup de bits. Ah, ça fait beaucoup de bits. Oh là là, oh là là. Ah là 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 là. Ça fait beaucoup de bits là pour le coup. Oh là 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 là. Et du coup, ouais, non, le DLC va arriver, il va arriver le 5 novembre, un truc comme ça. Et du coup, ouais, non, de toute façon, ça c'est sûr que je vais le prendre. De toute façon, je vais le prendre parce qu'en fait, c'est si en fait, c'est englobé dans le pack avec le Nintendo Switch Online qui te donne accès à, on va dire, à l'émulateur Nintendo 64, mais aussi Mega Drive. Bon, bah ça, voilà, mais apparemment, l'émulateur est bourré de bugs. C'est bourré de bugs, c'est pour ça que je le prends pas encore, que j'attends un petit peu, parce que du coup au final c'est un petit peu jeter de l'argent aux cochons. Enfin, c'est donner du caviar à des cochons. Ça dépense l'entendement, jamais tu ne pourras gérer autant de bits. Mais ça dépasserait l'entendement! À gérer toutes ces bits! Après, gérer toutes ces bits, hein. Tu sais, avec toutes ces bits, quand on a plusieurs mains. Être ban pour 5 minutes. Quoi? Je suis assez con pour ça. Quoi? Tu veux être ban? Non. Non. Non, pas ça. Non, tu es sûr de toi? Tu veux être ban 10 minutes? Enfin, 5 minutes, pas 10 minutes, tu veux être ban 5 minutes? Non, non, mais non, quand même, Je non. code avec le Je suis. cul. La 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 Oh la. non. Si ça bug, je m'en fous, on paye pas pour tester. Je code avec le Non, cul. mais j'ai pas de La la ban. la 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 la. Même si le Non. programme marche pas, Je on peux pas, fait ça. je ne peux pas te ban, c'est pas C'est possible. honteux. Mais oui, c'est plus que honteux. Non, je ne peux pas le ban, c'est pas possible. Et en plus, c'était pas. En plus, c'était à destination de viewers spécifiques. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Un viewer qui troll. Si, comment ça, si? De quoi? Non, tu vas pas être ban. Tu demandes pas ton ban quand même. Tu ne demandes pas être ban. Non, quand même pas. Mais non, mais ça me fait mal de te ban. Non, je peux pas. Je peux pas, c'est comme si tu me passais un fusil et que tu me disais vas-y, tire-moi dessus. C'est pareil. Mais...
Mais non, mais non, mais... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne comprends tout simplement pas ces deux phénomènes et je ne leur trouve aucune explication rationnelle. Et pour moi, ne peut être autre chose qu'un phénomène paranormal. Mais c'est pas possible, t'es le king de ton île et ta couronne. Ouais, t'as vu ça un petit peu? Je suis le king de Jean Peps. Bah, rembourse-moi mes 1000 points avec les intérêts. Bon, bah, puisque tu l'as si gentiment demandé. Il a été ban! Il est ban pendant 5 minutes! Il est ban! Il est ban! On a osé! Nous sommes partis! On a osé! Il est bête! J'en ai marre de lui! Mais oui, moi aussi j'en ai marre de lui, putain! Mais putain, mais pourquoi t'as fait ça, putain? Mais putain, pourquoi t'as fait ça, putain? C'est honteux. Mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Pourquoi t'as fait ça? Je vais dire au moment que tu m'as banni pour rien. Mais pourquoi t'as fait ça? Mais putain, pourquoi? Tu m'as pêché, je t'ai pas banni pour rien. Oh putain, mais pourquoi? Mais t'es bête. Mais non. J'ai montré mon fuse. Oh là là, putain, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Oh putain, mais non, mais je vais te lever le ban. Putain, mais c'est pas possible. Oh putain, mais le boulet, quoi. Oh le boulet, allez hop, il est où quoi? Il est là. Hop là, voilà. Re-bienvenue parmi nous. Allez, je raccroche. Oh le boulet, sérieux, le boulet. Bon bah voilà. Hein. Voilà, comme quoi on ne rigole pas avec le ban Hammer. Hein. Voilà, on rigole pas avec ça, attention, on rigole pas avec ça, hein. C'est une vraie récompense, hein. Attention. Hein. La prochaine fois, c'est un gros ban, hein. La prochaine fois, c'est 20 minutes. La prochaine fois, attention. Hein. Oh putain, le boulet, oh le boulet. Il a osé cliquer sur ban. C'est pas possible. Allez. Mais non, je veux pas creuser. Non, je voulais ranger la pelle. Allô? La pelle? Ah, voilà, ça y est. Non, 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 je veux récupérer les noix de coco. Voilà, ça y est, t'es de retour. Il est de retour parmi nous. Ça y est, tel Jésus, il est revenu. C'est Dark qui revient parmi les tiens. Le boulet. Ah, le gros boulet. T'as encore ça qu'il n'y a pas de modo, hein. Ça va qu'il n'y a pas de modo. Parce qu'alors là, les modos, ils ont la sentence qui est... Ah, eux, par contre, ça bricole pas. Hein. Là, les modérateurs, attention, ils rigolent zéro. Hein. Ils rigolent zéro avec ça. Ripper les oreilles. Et maintenant, oh, qu'est-ce qui se passe? Angus, FBI, open up. Ça me fait bizarre de t'aborder pour demander ça, mais j'ai remarqué que les gens t'appelaient copain ces temps-ci. Quoi? J'aimerais faire pareil. Ouais, si tu veux, allez, vas-y. Vraiment, super, ça me fait plaisir que tu me dises ça, copain. Oh merde, je croyais qu'il allait partir. J'allais dire, putain, on va sortir le champagne, il se barre. Même pas, putain, mais c'est nul. Je vais même pas se barrer. Oh là là, ah ouais, non, mais là, franchement, mais heureusement qu'il n'y avait pas de modo de connecté, parce qu'alors là, ouais, ça aurait été vraiment FBI open up.
Alors là, c'est prepare your anus. Oh là 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 là, mais purée, mais c'est pas possible. Putain, mais c'est la première fois. Une vache qui t'appelle copain. Oh oh. Ouais, une vache qui m'appelle copain. Ouais. Ah non, mais mon dieu. Il veut pas s'en aller, hein. Il veut pas partir. Ah, oui. Non. 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 Mais là, Ramsès. Ouais, tu t'es mis là. C'est bon, j'ai pu récupérer la pomme. Mais putain. Mais ils font chier ces PNJ. Allez, let's go, let's go, let's go. On a combien? Ouais, c'est bon. Ah, j'ai oublié d'encaisser les sous. J'ai oublié d'encaisser la monnaie. C'est la Twitch Money. On encaisse la Twitch Money. Allez, à nous les noix de coco aussi. Oh là là. Oh purée, mais c'est tout sale. C'est tout sale. Il y a plein de pelouse. Il y a tout plein de sale. Il y a tout plein de sale. Regardez-moi ça. C'est dégueulasse. C'est mes 1000 cheveux. C'est 1000 cheveux pour mon ban. Ah ouais, non, mais là, oui, le FBI Open Up, c'était bien des 1000 cheveux pour ton ban. Mais putain, mais pourquoi? Pourquoi t'as fait ça, putain? Mais c'est pas possible. Putain, t'aurais pu garder tes cheveux pour autre chose. Mais pas, allez, puisque je suis généreux. Je vais pas faire ça. J'allais mettre 10 minutes, mais non. Je vais faire un petit ban. Non, calme. Je suis pas si joueur. Je ne suis pas si joueur. T'aurais pu les garder pour autre chose. T'aurais pu garder, je sais pas, tes cheveux pour, je sais pas, pour acheter une perruque, par exemple. Mais non, voilà. Énorme. Il a dû les utiliser pour se faire bannir. Voilà. Incroyable. Vie de Nala, s'il y a 7 jours de ban à 5000 cheveux, j'ai coupé pour ça. Pour Nala? Ah oh, putain, oui. C'est le jour de ban. Ah, vie de Nala. S'il y a 7 jours de ban à 5000 cheveux, j'économise pour ça. Ah, non, mais je croyais que tu voulais économiser des cheveux pour être pour bannir Nala. J'allais dire, putain, non, mais t'inquiète, je te l'offre le ban. Je t'offre le ban de Nala avec grand plaisir. Oh putain, 7 jours de ban. Non. Non, mais pourquoi pas. À 500 000 cheveux, ça peut être pas mal. Parce qu'à 50 000, ça fait pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais à 500 000... À 500 000, je vais y réfléchir. Oh, un ballon! Ouais, mais j'ai plus de place. On va jeter les branches d'arbres. Voilà, qu'est-ce que c'est comme cadeau? Ah! Un générateur d'extérieur. Alors, est-ce que vous avez la ref concernant ce son? Est-ce que vous avez la ref? Je ne donnerai pas de... Tu beau gosse avec ton perso. Bon, oh, mais non. En fait, c'est... Alors, c'est un cosplay. C'est un cosplay. Là, le perso, c'est un cosplay. Et oui, je cosplay qui avec ce... Avec cette tenue? Ah, c'est facile. Celle-là, elle est facile. Alors, je veux vendre plein de trucs. Ça. Oh non. Alors, je cosplay qui? Le mec de Breaking Bad. Non, pas du tout.
Pas du tout. Perdu. C'est facile. C'est facile. C'est facile. J'ai jamais vu la série JDG sans cheveux. Oui. Bravo. Bravo, en plus je peux pas donner des cheveux, merde. Je sais pas comment on fait pour. Non, on peut pas donner. Sérieux, ouais. Ouais. C'est le cosplay low cost de JDG. Mais c'est JDG, c'est JDG maigre. Attention, c'est pas le gros JDG. C'est pas le gros JDG. Et du coup, la couronne, je sais pas, la couronne parce que c'était assez rigolo. Mais du coup, vous n'avez pas répondu à la question. Vous n'avez pas répondu à la question. Au niveau du son, alors le son, je vais vous le faire écouter. Car JDG, c'est le prince de YouTube. Ah putain, oui, ça c'est pas mal ça. Ah oui. Il est tout bleu. Et aussi, il est tout bleu. C'est vrai, le prince de YouTube. C'est vrai que c'est le prince de YouTube. C'est le prince du YouTube FR. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que tu veux, l'écureuil à Scratchy? C'est quand je me balade le soir que j'ai les meilleures idées. Je devrais penser à prendre une carnet. Mais très bonne idée. Très très bonne idée, ça, Irène. Remets le son. T'inquiète, je vais remettre le son. Allez, Marie. Oh, Marie, si tu savais. WallsVD veut te parler. Mon bébé est tout bleu, c'est pas le YouTube poupe des urgences, si, si. Il est tout bleu. Il est tout bleu. au secours, mon bébé, il est tout bleu. Il est tout bleu. Alors, attention. Clamez-vous. Clamez-vous, clamez-vous. Bon alors. Allez, une dernière. Interdiction de tricher, attention, hein. Interdiction à Shazam. Alors, le roulement de tambour. Oh là là. Là, c'est dur, là. Vous hésitez donc avec du Zelda. Ça vous fait donc penser à Zelda. Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous avancez? Parce qu'attention, c'est compliqué. On a le droit à une autre. Vous avez le droit, oui, vous avez. En soi, vous avez le droit à une autre. Mais est-ce que c'est votre dernier mot? Parce que c'est ça aussi. La question, est-ce que c'est votre dernier mot? Non. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est dur, mais si vous voulez, je vous la fais réécouter. Mais il y a certes des propositions. Alors on va faire des propositions. On va mettre bien évidemment Mario. Nous allons mettre en second Zelda. Nous allons mettre en 3 Assassin's Creed. Et nous allons mettre en 4 Halo. Voilà. Je vous laisse Zelda sur de moi. Est-ce que c'est votre dernier mot? Yoni, est-ce que c'est votre dernier mot?
Zelda pour sûr, mais je ne saurais pas quel jeu dans le doute, je dirais Link's Awakening. Darky, est-ce que c'est votre dernier mot? Pour du Zelda, est-ce que c'est votre dernier mot? Vous partez sur la réponse B. Vous êtes sûr que ce n'est pas la réponse A? Vous êtes sûr que c'est pas Mario? Ça pourrait être aussi Assassin's Creed. La réponse C. Comme ça pourrait être aussi la réponse D. Allô? En êtes-vous sûr? Nous attendons la... Mais oui, Jean Foals. La question suivante était... De quel générique de... Quel générique, de quelle musique de jeu vidéo est tiré ceci? 4 choix s'offraient à vous: Mario, Zelda, Assassin's Creed et Halo. Vous avez donc sélectionné la réponse B, Zelda, et la réponse B. Incroyable! Vous avez réussi! Bravo! Oh là là, incroyable! Incroyable! Oh là 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 là, vous avez gagné, bravo! Franchement. Là, on ne peut qu'applaudir, hein. On ne peut qu'applaudir. Ah là là, vous êtes formidable. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Le public est en délire. Effectivement, c'était bien la réponse B. C'était Zelda. Et voilà, c'était bien ça. C'était bien ça. D'ailleurs, nous allons vérifier la réponse avec Marie, puisque Marie connaît tout. Oh, Marie, si elle savait. Tous les chants que l'on lui fait. C'est drôle, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu cet air quelque part. Ah voilà. Et voilà, et oui, c'était bien Zelda. Et d'ailleurs, c'était le chant du vent dans Zelda. Et oui, d'ailleurs, on va en profiter. On va l'écouter. Le chant du vent. C'est pas dans... c'est pas dans Wind Waker. Non, c'est pas dans Wind Waker, c'est dans Ocarina of Time. Attention! Ah là là, vous êtes incollable. Bon, j'y vais, moi, bon live à tous. Merci beaucoup, Yoni, merci beaucoup d'être passé. Et merci pour tout encore, hein. Merci pour tout. Ah là là, merci beaucoup. Merci. Et oui, c'était Zelda. Bon, le chant du moulin, le chant du vent dans Ocarina of Time. Ah là là, vous êtes incollable. Je vais aller manger, j'aurai, yes, mais bon appétit Darky. Et merci, et à toutes, merci, et merci encore à toi aussi, pour tout, et merci aussi pour ce moment, hein, pour ce ban. Ça vaut bien 1000 cheveux, non? Mais ouais, mais je sais pas les donner, j'arrive pas à les donner, je sais pas comment faire pour les donner. J'arrive pas à les donner. Putain, ça fait chier. Allez, on file le maximum. On lui donne 76 000 clochettes comme ça. On est comme ça. On est grand prince.
Et c'est toujours pas assez, putain. C'est toujours pas assez pour finir ce putain de pont. On a toujours pas fini ce putain de pont. Et voilà, tire-lipin-pont. Sur le chihuahua. Bon allez, let's go. On va aller chercher du coup des motifs de route. Des motifs de route et des motifs de chemin. Pim pirim pirim pirim. Oh, oh là là, comme c'est trop classe. Oh là là, smoking est trop classe. Oh là, il est trop beau. Alors, portail de motifs perso. Veux-tu te connecter à internet et accéder au portail? Oui, tout à fait. Connexion à internet. Let's go, la connexion internet. Alors, donc c'est on va faire par critère. Donc je veux un motif perso, je veux un sol. Flor de Muertos. Ah, le stone, il est joli le stone. Ça, je crois qu'on en avait récupéré aussi des stones comme ça. Oh, putain, lui, il est beau aussi. C'est quoi ça? Festplatz? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Faire un motif des temps? Des Pikmin aussi? Il y a des Pikmin, sérieux? Oh les gens, mais c'est, les gens c'est des fous furieux quoi, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Allez, il faut qu'on réfléchisse déjà à comment... parce que là, il y a plein de sols certes, mais ouais, j'ai fini d'utiliser la borne. J'ai fini d'utiliser la borne. J'aimerais faire quelque chose d'assez sympa, d'assez stylax. Quand je vois des îles sur Twitter, tout ça, putain, je bave. Elles sont juste magnifiques. Elles sont juste magnifiques. Là, j'essaie de choper un petit peu là des îles. Mais c'est abusé. Franchement, c'est abusé. Alors. Si on mettait un relief, non? Mais on va mettre un petit relief là, non? Qu'est-ce que vous en dites? Du coup, j'ai une chaise longue tronc, un arche Halloween. Alors on va faire un remodel. Enfin, un petit remodel. Ouais. On va mettre un petit relief. Alors, remodel. Le falaise, le permis falaise. Il faudrait qu'on donne un petit côté sauvage à cette île. Et comme ça, on fait un petit cours d'eau. Et si on faisait un petit cours d'eau qui suinte Bon, déjà, c'est un bon début. Ça fait une bite. C'est la bite de l'île. Non, on va faire un truc comme ça. On va mettre... On va faire... Oh putain, je sais. Oh, je sais, on va faire quelque chose d'escarpé. Vous allez voir. En fait, je vais rajouter deux hauteurs. On va faire quelque chose, un truc assez large. Soit assez large. comme mon anus.
On va faire un truc assez large parce qu'en fait, du coup, on va mettre des arbres. On va faire une forêt en hauteur. Oh. Oh. Génial, génial l'idée. L'idée juste extraordinaire. Voilà, comme ça, on va redonner un petit côté, on va donner un petit côté sauvage à notre île. Ça, c'est une bonne idée. Enfin, c'est une bonne idée qu'elle est bonne comme idée. On va jouer avec ça, on va jouer avec ses hauteurs. Voilà, comme ça, ça va justifier le fait qu'on ne peut pas passer par là. Ouais, voilà. Voilà, on va faire un truc comme ça. Voilà, on va faire un truc de cette largeur là. Voilà, là on va boucher comme ça. Parce que du coup, avec le DLC, on aura aussi, enfin le DLC avec la nouvelle mise à jour, on aura aussi la possibilité d'installer des échelles permanentes. Donc ça va être cool. On va pouvoir aussi jouer avec ce petit côté, avec ce petit côté hauteur en fait. Ce petit côté hauteur, là ce que j'aimerais faire, c'est faire un petit cours d'eau. Là je vais faire un petit cours d'eau secret. Donc là le magasin va me casser, là les magasins vont me casser les couilles en fait. Quoi qu'ils vont pas spécialement me casser les couilles parce qu'on va fermer ici. On va fermer. Oh, putain, ouais, on va fermer. On va fermer ici. Voilà, on va mettre de la montagne là. Ah ouais. On va clôturer le passage là. Voilà, comme ça, ça va justifier le fait qu'on ne peut pas passer ici. Vous voyez l'idée? Vous la voyez l'idée? Voilà, on va faire ça et du coup on va faire une petite forêt assez sympa, assez design. Enfin, design. Design, voilà. Hein. On repassera sur le côté design, mais voilà. On va faire quelque chose assez sympa avec une double cascade et un petit ruisseau. Ça peut être cool, ça peut être cool. Ça peut être cool. Et le ruisseau, en fait, le grillon qui se suicide, normal, ok. Ouais, si tu veux, pourquoi pas. C'est une idée, hein, c'est une idée comme une autre. Hein. Donc là, on va boucher. Là, on va boucher parce que là, je vais avoir besoin de la place. Voilà, on va boucher ici. Voilà, je vais couper temporairement l'arrivée d'eau. On ferme le robinet. Clairement, on ferme le robinet. On va fermer le robinet pour une bonne raison. Parce que là, du coup, on va... Clac, le permis falaise. On va continuer à falaisifier cet endroit. Ah merde, il faudrait que je fasse une sortie. Ah merde, quel mongol. Quel mongol. Voilà. J'entends un ballon aussi. Ah, le ballon. Le petit ballon. Le petit ballon vient ici. Allez, hop là, ça c'est fait. Qu'est-ce que nous avons de beau dans ce petit ballon? Un cacaoyer. Qu'est-ce que le cacaoyer? Sérieux? Je peux le planter? C'est quoi? Ça se passe comment là? Comment ça se passe le cacaoyer? Expliquez-moi là. Putain, moi je pensais que c'était un vrai cacaoyer quoi. Se dire sérieux?
Eh ben non, c'est pas ça. Un peu décevant, hein. Un petit peu décevant, ça, quand même. Donc, voilà, on va boucher, du coup, ici. Voilà, on va faire ça. Voilà, là, du coup, on va garder la verdure. On va garder le sol vert. Et là, en fait, je vais mettre un deuxième niveau. Et là, on va mettre des cèdres. Pam 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 pam, désolé. Oh, oh ben il est monté. Mais reste en haut. Le grillon, putain, le grillon qui se fait enterrer. Il meurt enterré. Je l'enterre vivant. Voilà, du coup, là, hop là, on va rajouter un lopin, un petit lopin de terre. Voilà, comme ça. Et là, vous allez voir pourquoi je garde exprès ce morceau. Mais non, je veux pas le casser, Mongol. Putain, mais qu'il est chiant, ce truc. Voilà. Parce que là, je vais rajouter de la terre. Je vais en rajouter encore ici. Je vais en rajouter là. Là-bas, là-bas au fond. Alors, encore un petit peu là aussi. C'est cool, là. C'est bien, là. Voilà, en fait, on va en rajouter jusque là. Tac. Ouais, on peut faire la ligne droite, en fait. On peut faire la ligne. On peut continuer. On peut continuer comme ça. Le misclic. Après, il faut faire gaffe à pas mettre non plus trop de pompes, parce que sinon, après, il va casser les couilles, là, le Tom Nook. Il y a trop d'infrastructures sur l'île, hein. Non, il faut plus en mettre, hein. Ouais, après, il va grave casser les burnes. Voilà, là. Pam 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 pam. Voilà, un petit peu ici. Voilà, c'est un peu plus sympa. J'entends quoi, un ballon. Je ne sais pas où il est, ce putain de ballon. Où est-il? Oh, il est là! Vite! Vite! On va chasser le ballon! C'est bon, on a récupéré le petit cadeau. Qu'est-ce que c'est? De l'argile! Oh, c'est génial! Vous savez que c'est très utile. C'est vrai que là, ça nous sert beaucoup de l'argile. Pépéon, pépéon.
Alors, voilà. Donc là, ce qu'on va faire, après, on va aller de l'autre côté, du coup, pour mettre la rivière. Vous allez voir. Ça va être classe. Voilà, on va fermer du coup ce tombeau. Ce tombeau sera votre tombeau. Et voilà. Parce que du coup, on pourra subtilement mettre une échelle. Et ouais, ça c'est cool. Donc voilà, pourquoi j'ai fait ça. Pour la simple et bonne raison que, voilà, je vais mettre le permis cours d'eau. Ça marche pas? Merde, comment on fait déjà? Ah putain, c'est vrai qu'il faut être sur la falaise. Oh, Jean Cascouille. Vous connaissez Jean Cascouille? Ah bah voilà. Oh, oh, je peux pas. Oh, je peux pas. C'est bon là, tu peux, Jean Cascouille. Oh putain. Oh, le Jean Cascouille. Voilà. Voilà, parce que je voulais faire une belle petite rivière. Ouais, non, on va faire une petite rivière. On va pas faire une grande rivière non plus, faut pas déconner. On n'a pas énormément de place non plus, hein, pour faire quelque chose d'extravagant. Bon, on va faire comme ça. Bon, c'est bien ça. Par contre, les PNJ ne restent pas au milieu, ça c'est cool. Ça c'est vachement cool. Voilà, hop là. Du coup, ce petit cours d'eau, on va le faire là, je veux qu'il aille là. Donc on va le mettre ici. Voilà, je veux qu'il continue encore. Non, oh, mais putain, mais je veux pas le boucher. Mais qu'il est con. Mais c'est pas possible, ça. Putain, Jean-Marcel Cascouille. Voilà. Putain, on y arrive, hein. Oh là là. Putain, c'est fou, ça. Ici, rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Il est bon, hein. N'oubliez pas que c'est ici qu'on récolte la moitié du sel français. Allez, let's go, le petit ballon. J'espère que c'est pas un loot de merde. Lol. Allez, ramène ta fraise. Poule. Qu'est-ce que c'est? Un épouvantail Halloween. Oh, c'est pas mal ça, je l'ai pas celui-là. Wouhou! Ah, génial. Génial, ça je l'ai pas celui-là, l'épouvantail Halloween. J'avais pas celui-là. Oh, ça lag un petit peu. Ça lag un petit peu des fesses. Voilà, donc là, hop là, on va trouver ici. On va trouver là. Mais pas trop non plus. Non, là, on va boucher. On va boucher parce que vous allez voir, vous allez vite comprendre pourquoi. Clac. Clac. Clac, voilà le petit morceau.
Alors on va encore casser ici. On va casser là. Voilà, on va casser comme ça. Non, cela je veux arrondir en fait. Voilà, je veux arrondir. Voilà, ça passe un peu plus sympathique. Hein. Non, c'est pas le permis cours d'eau que je veux, c'est le permis falaise. Parce que là, du coup, je vais mettre une falaise. Je vais mettre la falaise ici. En fait, je vais la mettre là, la falaise. La deuxième falaise, je vais la mettre là. Je veux qu'elle soit ici. Et voilà. Voilà. Comment ça, non? Oh, putain. Oh, le Jean-Marcel casse-couille. Parce qu'il faut laisser de même bord. Putain. Mais c'est pas là. Putain, c'est là que je veux. Merde. Putain. Ah, et du coup, ça laisse pas beaucoup de possibilités au final. Je me dis, ouais, ça va être génial, ça va être cool. Et en fait, ça va sentir la merde. Ça va puer du cul. Ça va être moche, putain. Oh, ça va être moche. Je m'attendais pas à ça, bordel. Ah, je m'attendais à pouvoir mettre un peu plus de stack de terre, quoi. Pas ça. Là, je peux pas en mettre. Oh putain. Ah non, il faut laisser le passage. Putain. Il faut laisser un carré de passage. Oh la vache. Oh l'enfer. Oh là là. Oh là là. L'enfer du cul. On va faire comme ça. Voilà, parce que là du coup, là je vais mettre une cascade, une belle cascade qui descend du coup à cet endroit-là. Voilà, je veux une belle petite cascade. S'il te plaît. Cascade, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Et là, du coup, on va mettre des arbres. On mettra de jolis arbres. Bah là, comme on peut pas faire grand chose. On va harmoniser du coup. Voilà. Arrondissons les angles. Voilà, là on va laisser comme ça. Et là ce que je vais faire, en fait, je vais mettre des arbres. Et si on mettait la falaise jusqu'ici? Ce serait une bonne idée. Je pense que ce serait une bonne idée parce que du coup, on gagne en fait. On va gagner en place. On va gagner. Putain. Voilà. On va gagner en place en fait. Ouais, on va élargir tout ça. Voilà, on va jouer avec la hauteur. Là, j'ai même envie encore de jouer un petit peu là avec ça.
Et là, on va faire aussi des petits passages comme ça en hauteur. On va faire des petites hauteurs là comme ça. Voilà, on va jouer un petit peu comme ça. Voilà. On va vraiment jouer avec ses formes. Mais par contre, on mettra pas de rampe. On va pas mettre de rampe d'accès ou quoi que ce soit. On va laisser comme ça. On va laisser tel quel. Et on va laisser faire la nature. On va laisser faire la nature sur ce coin-là. On va aller vraiment laisser faire la nature. Du coup, les mauvaises herbes, tout ça, on va vraiment laisser la végétation envahir cette petite montagne, on va dire, cette petite colline. Et à la cime de celle-ci, on va mettre du cèdre. On va mettre des feuillus. Sur le premier étage, on va mettre des feuillus. Et au deuxième étage, on va mettre des jolis arbres. Des jolis arbres, et on va laisser comme ça. On va laisser comme ça. De toute façon, cette maison, elle va dégager. Cette maison va dégager. Ah oui, on va mettre des fleurs aussi. Oh putain, on va mettre des fleurs, c'est vrai. Quelle bonne idée. Ah là là, quelle idée extraordinaire. On va mettre des fleurs en plus des arbres. Parce que là, franchement, ça va faire sympa. Ça va faire sympa, là, ce petit coin. Putain, mais je veux... Il m'énerve quand il laisse les carrés vides comme ça. Ça m'énerve quand il fait ça. Ça m'énerve. Voilà, comme ça, du coup, ça laisse un peu plus d'espace. Et là, ouais, on va mettre quelques petites fleurs. Quelques petites fleurs. Et éventuellement, je pense qu'on va essayer de monter encore d'un étage. Ouais, je pense qu'on va monter d'un étage de l'autre côté. Vu qu'on gagne en largeur, là, du coup, on va pouvoir mettre un deuxième étage. Là, on va mettre un petit deuxième étage. Histoire 2. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire ça. Voilà. On va boucher jusque là. De toute façon, à terme, cette maison va dégager. De toute façon, cette maison va rejoindre le lotissement. Donc voilà. Et voilà. Et là, ça fera une colline entre guillemets naturelle. Là, en fait, on va faire un creuset. On va faire un creuset. Je la veux qu'il parte un peu comme une botte. Je veux qu'elle parte un petit peu comme une botte. Donc là, on va la faire stopper à ce niveau-là. À ce niveau-là, on va l'arrêter. On va arrêter la botte à ce niveau-là. On va tenter un truc. J'ai envie de tenter un truc. Je sais pas si ça va marcher. C'est pas du tout si ça va passer. On va faire comme ça. Clac. Voilà. On va voir si ça va marcher. Donc là, du coup, bah, pour compléter l'intérieur, il va falloir tout casser. Logique. Ça, je remplis l'intérieur. Et en fait, là, ce que je vais faire, c'est je vais pas laisser un angle comme ça. Je vais essayer de tout casser pour faire un virage. Je vais essayer de voir si ça peut marcher. Je sais pas du tout. On va voir. On est là pour essayer. On est là pour tenter des trucs. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, c'est pas grave. C'est pas grave. L'important, c'est d'avoir essayé. On aura au moins eu l'audace de le faire. Voilà. Ici, là, on va faire comme ça. Voilà.
pas que ça le fera. Je crois pas que ça se... Je crois pas que ça se... Ah, quoique... Ah, quoique... Quoique, quoique, quoique... Ouais, on va dire ça, on va dire ça. Mais de toute façon, là, c'est la maison qui casse un petit peu les couilles, là. Voilà, on va faire comme ça. Ça me plaît pas, c'est arrivé comme ça me plaît pas. Ça me plaît pas trop, on va réfléchir, parce que déjà on commence à y voir un petit peu plus clair là, déjà, voilà. Déjà là en vrai c'est sympa. C'est vraiment sympa. Et c'est là en fait, je voudrais boucher à cet endroit là, mais je peux pas. Dommage, je peux pas. Essayer de rendre ça le plus naturel, ouais, on va dire le plus naturel possible. LOL. Voilà, on va faire un petit cube de hauteur. Et là, on va partir comme ça. Là, on va faire une petite talonnette là. Voilà. De toute façon, je peux pas aller en niveau plus 3, hein. je crois pas. Hein. Je crois pas pouvoir aller plus haut. Je crois pas. Hein. On va essayer, mais je crois pas. Non, il va me dire non. Ah bah d'accord. D'accord, bah je peux aller en plus 3. C'est niveau plus 3. What the fuck? Salut Luigi Mario, salut. Donc là, je peux clairement pas. Là, il veut pas. J'ai compris, il veut pas. Ok, bon, bah on va laisser comme ça. Il veut pas. Là, il y a le ballon à récupérer. De toute façon, là, je pense qu'il va tomber dans la flotte. Oh putain, il va tomber dans la flotte. Oh putain, allez, tombe. Merde. Oh le salaud. Donc on va laisser comme ça. Du coup on va laisser comme ça. C'est plutôt pas mal. Déjà comme ça c'est pas mal. En vrai c'est plutôt pas mal, c'est plutôt sympa. Donc on va du coup remettre le cours d'eau. Oh, hop, 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 hop. Tu peux créer une tâche supplémentaire, c'est sur le bord. Ouais, bah. Ouf. Je voulais essayer, je voulais dire. Tant sur un malentendu, ça peut passer, mais non, c'est pas passé. C'est malheureusement pas passé, ouais. Je me suis dit peut-être que, mais. Ça complique un petit peu les choses. Hein. Je trouve que ça pile de citrouille Halloween. Non, je connaissais pas celui-là. Je connaissais pas, tiens. Wouhou! C'est un peu dommage parce que du coup ça bride, enfin je trouve que ça bride du coup la création. Ça bride un petit peu les choses parce que du coup ça nous
donne pas spécialement la possibilité de faire des trucs assez sympas. Quoi qu'il y en a, ils arrivent à faire des trucs de fou furieux. Quoi. Quand tu regardes sur Twitter, tu dis oh la vache. Donc on va essayer de faire quelque chose de sympa. Je dis bien essayer de faire quelque chose de sympa. Parce que bon, voilà. Voilà. Donc on va voir ce que ça va donner. Allez, let's go. Du coup, non, là j'avais dit que je ne touchais pas. Là il va falloir que je casse ça. Je voulais planter des fleurs. Moi aussi je recrée mon île. Ah, bon ça va, je me sens moins seul. Ah, il chante. Allez, chantez les gars. Ah, ils sont à fond. Ah. On s'enjaille. Oh là là, incroyable. C'est pire qu'une boîte de nuit, hein. Allez, on va récupérer les trucs dans la boîte de recyclage. Normalement, il devrait y avoir des graines. Ouais, nickel. Qu'est-ce que c'est? Des boîtes en carton, pantalons déchirés et des sacs de cosmos. Déjà saintes. Nickel. Voilà, bon, je crois qu'on a des arbres aussi à la maison. Oh, ils sont à fond. Hein. Limite, on peut entendre. on va mettre un petit peu des fleurs là-haut. Allez, on va les planter ici. Ça va être cool. Donc là, on met un petit peu en mode YOLO, on s'en fout. Hein. C'est juste pour de la déco. C'est vraiment pas champ de fleurs. Là, on essaie de créer quelque chose, on va dire, de sauvage. Voilà, on fait ça vraiment à la sauvage. Alors tu recrées ton île, en fait tu as recréé une partie où tu as fait comme moi, tu as rasé toute ton île pour refaire quelque chose de propre. Comment tu as fait en fait? Comment tu as procédé? Voilà, on va faire ça, comme ça on dispatchera un petit peu des feuillus. Allez, on va regarder à la maison s'il y a. Parce que du coup, en fait, moi, j'ai pas recréé mon île. Ça me faisait chier de refaire une partie ou tout transférer, en fait, tout un bordel. J'ai terraformé littéralement l'intégralité de l'île, ruisseau y compris, et j'ai tout reconstruit. Enfin, j'ai tout reconstruit. Je suis en train de tout reconstruire. Bon, ça prend du temps. C'est chiant. Mais en plus, j'ai pas beaucoup de thunes. Donc, du coup, ça complique un petit peu les choses. Mais ça va, c'est cool. Est-ce qu'on peut planter des mauvaises herbes? On va les placer dans les poches. Est-ce qu'on peut les planter? Non, ça, on peut pas les planter. Non, ça c'est kit de personnalisation. Ah, mais si, j'ai des sacs. Si, je reconstruis aussi. Ah, bah voilà. Je comprends. Je compatis. Sac de lys blanc, des lys jaunes, des lys rouges. On va quand même en garder. Parce que voilà, je vais pas en disposer non plus comme ça partout.
Mais j'ai pas refait d'île, ça me fait chier qu'on puisse pas changer. Non, d'île, je me suis mis au sud, mais je regrette. Ah merde! Mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi qu'on puisse pas changer. Qu'on ait pas la possibilité de changer. Peut-être qu'on soit obligé de recréer une nouvelle partie, entre guillemets. Bon, certes, on peut s'arranger avec d'autres personnes pour transférer. Nos bidules. Salut kebab, salut salut. Fais gaffe, je vais prendre un kebab. Parce que j'ai la dalle. Non, ça fait chier qu'on puisse pas, qu'on ait pas ce système là et qu'il faut justement voilà trouver on va dire une âme charitable qui puisse accueillir tous tes objets pour pouvoir les mettre. Avec j'ai perdu le fil et putain ils m'ont coupé la chic avec un message sur Facebook, c'est con là. C'est chiant en fait, c'est chiant quoi, qu'il faut en fait trouver on va dire une âme charitable qui accueille tous tes objets, que ensuite tu refasses ton île, que tu refasses tes tutos, etc. Qu'ensuite que tu ailles sur l'île de la personne pour récupérer et tout retransférer. C'est un bordel, comment tu veux que je transfère? J'ai eu le jeu super cool et franchement la table. Et eh ben c'est pareil que toi. J'ai des villageois super cool, sauf Angus qui est un sale con. Mais ouais, c'est pareil, j'ai la flemme aussi, j'ai grave la flemme, j'ai merde quoi, ça fait chier. Ah, je peux me planter! Ouais, je peux planter des herbes! Oh là là, c'est génial parce que je veux donner un côté savage. Ah, extraordinaire! Putain, yes! Ah yes! Putain, nickel! J'ai des villageois super rares comme Raymond. Oh putain, la vache! T'as cheaté pour l'avoir, non? T'as cheaté, allez. Allez, entre nous. Entre nous, là. Entre 6 spectateurs, là. T'as cheaté, non? T'as cheaté pour l'avoir. T'inquiète, on ne te jugera pas. Hein. Le gros forceur. Ah, le gros forceur! Non mais franchement non, t'as eu de la luck hein, pour avoir Raymond GG. Hein. Franchement gros GG parce que putain la luck. Moi, j'essaie de l'avoir, j'arrive pas à l'avoir. Bon là c'est ça tombe bien, j'ai un villageois qui se barre. Putain mais j'ai beaucoup d'amis là qui se mettent à jouer à Animal Crossing, je sais pas ce qui se passe. Hein. Y a pas un DLC qui va sortir par hasard. Hein. Non, y a pas une mise à jour non. Oui non en même temps c'est compliqué. T'inquiète. T'inquiète. N'en dis pas plus. Non, dis pas plus, t'inquiète. T'inquiète. Salut, Prince Alitness. Salut, avec le magnifique badge Charity 2018. Flocon de neige. Très, très, très joli, ce petit badge. Et très joli, très sympatox. On va mettre des cosmos jaunes, là. Salut Minutoine, j'ai commencé Animal Crossing, ça te dit je te rends visite sur ton île, j'amènerai des pêches, c'est mon fruit local. Si tu veux, allez, je dis pas non, j'ai des pêches aussi. Ah putain, comme t'as commencé Animal Crossing, j'ai vendu mes fruits, putain, j'ai vendu mes fruits tout à l'heure. Sinon tu aurais pu récupérer des fruits. J'aurais pu te filer des fruits. Par contre j'ai du bambou si tu veux, j'ai du bambou à te donner. Parce que j'ai de la poire, enfin j'ai tous les fruits en fait. J'ai tous les fruits. Je suis sur Nookazone, j'ai acheté Raymond, c'est très cher, mais l'argent donné c'est... n'est pas vraiment fait légalement. Donc ça après t'inquiète. Hein. T'inquiète, je me doutais qu'il y avait Nookazone derrière. Mais oui, c'est... C'est malheureux, mais bon voilà, c'est oui. L'argent donné n'est pas vraiment fait légalement, ouais. Après bon, voilà, on juge pas. Okidodoki. De toute façon, Nookazone, c'est un petit peu chelou quand même. Hein. C'est un petit peu chelou, mais bon. Moi j'ai envie d'essayer de l'avoir mais vraiment de manière legit.
Allez, invité par Dodo Code. Un max de monde, YOLO. Avec cette méthode, tu risques de décentrer de parfaits inconnus. C'est bien ce que tu veux. Ouais, tout le monde, je m'en fous. On est en open bar. Je sais plus si j'étais dans mes amis, Minutoine. Donc, du coup, on. Le TT, c'est legit ou pas? Oh, ça! Ça, on n'est pas là. On n'est pas là pour juger, hein. Allez, j'ouvre l'accès. Let's go. Attends, je règle quelque chose sur mon île. Yes, pas de soucis. Alors, KS 6 Y L, c'est le code, le dodo code. Le dodo code de l'île. Demain, il y a toujours le live Animal Crossing. Normalement, il aura lieu. Je dis bien normalement, si j'ai pas de contre-temps, parce que j'ai peut-être un resto avec mon père. C'est pas sûr. Donc, ouais, c'est pour ça qu'au final, ma réunion s'est annulée. Donc, du coup, j'ai pris le devant et de faire l'Animal Crossing. On sait jamais. Je me suis jamais scam, mais un pote auquel j'ai présenté l'occasion, premier trade, scam. Oh putain, la vache. Ouais. Eh ouais, j'imagine. C'est pas jolo. Allez, c'est parti. S'il a lieu, je donne 2 millions de clous. Ouh, ça c'est intéressant, ça. Enfin, si j'ai online, oui, bien sûr, ça, c'est of course. Alors, hop là, je réponds au message, clac, voilà. Hop là, ouais, qu'ils sont cons avec leur message sur Facebook, putain. Parce qu'on a publié une vidéo et avec la muse. Si ça les amuse. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Donc voilà, c'est ouvert. L'île est ouverte, du coup on va continuer notre petite réflexion sur le côté sauvage de la chose. Tu peux me redire le code s'il te plaît? Ah merde! On va vite redonner le code. Alors, le code. J'ai oublié mon dodo code. KS6YL. KS6YL, le dodo code. Minutoine. Allez, KS6YL. Petite musique là, petite musique assez sympatox. Alors, réfléchissons. Ah, c'est l'heure, c'est 21h. Du coup, ouais, non, là, je voulais mettre un arbre. Le nook. Ah, mais j'ai plus un sou. J'ai plus de sous dans la poche. Ou je te donne 3 millions et des trucs et qui valent une fortune si tu prends un kebab. Tu me tentes, kebab. Tu me tentes de prendre un kebab. Tu me tentes là pour le kebab. C'est vrai que j'ai la dalle, mais en ce moment j'arrête pas de bouffer. Je sais pas ce qui se passe, j'arrête pas de manger. C'est un truc de fou. Il faudrait qu'on réfléchisse où est-ce qu'on met le potager du coup. Le potager pour notre super resto. On a le super resto, mais on a pas le potager. Ah, quelqu'un est en route. J'arrive. Ah. Demain seulement. Ah, seulement demain. Putain, si je live pas demain, merde. Mais je me serais fait un bon kebab.
Puis j'ai plus rien à bouffer à la maison en plus. Franchement, je serais tenté de commander. Hein. Je serais tenté de commander un petit kebab. Hein. Je serais tenté. Est-ce bien raisonnable? Est-ce bien raisonnable? Je doute. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner à notre ami Milutoine? On va regarder ce qu'on a. Parce que du coup, on a du bambou. On peut lui donner des bambous. Milutoine est venu de MT à Islande pour jouer ici. La classe. On va arriver. Hein. Je vais chercher un truc. On va chercher des cadeaux. On va lui donner quelques petits trucs. Quand même, en tant que hôte. Alors, on l'accueille avec grand plaisir. J'ai amené un cadeau moi aussi. Oh, c'est gentil. C'est gentil. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui donner en cadeau? Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui offrir à notre ami Milutoine? Un arrosoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui donner Un truc pour décorer son île. Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner? Une boîte en carton? Le chat. Non, on n'est pas comme ça. J'attends devant la mairie. Yes, ça marche. Je vais pas tarder à arriver. Ah, mais non, on va lui donner une baignoire en cyprès. Tiens, ça peut être sympa. C'est une baignoire en cyprès. Et un joli canapé de place. Ouais. Ça, c'est cool. Je sais pas ce que ça vaut. Mais c'est cool. Alors, on va préparer la perche. Bien sûr, le pont n'est pas encore prêt, malheureusement. Je sais pas encore assez de thunes. Alors, où est-il? Ah, il est ici. Mute-toi. Merde, non, c'est pas ça que je veux. C'est ça. Bravo! Alors. Ah, on peut pas déposer d'objets sur la place. Merde. Ensuite, on veut lui donner aussi la maison en cyprès. Qu'est-ce que c'est? Oh, un cadeau. Alors, hop, un étonnement. Et qu'est-ce qu'on peut faire en émote? Oh, je suis embarrassé. Mais je suis joyeux. Alors, qu'est-ce que c'est comme cadeau? On va ouvrir. Une pile de citrouilles Halloween! Merci beaucoup! Oh là là! Ah merde, on peut pas la placer. On va lui dire merci. On va l'applaudir. Bravo! On applaudit bien fort. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre comme émote? Ah, on va faire une photo. Le selfix. Ah là là. Incroyable. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de te donner le bambou. Alors, je vais te faire visiter. Oui, je vais te faire visiter l'île. Je manque. Je manque à mes obligations. Salut, Suprest. Salut.
Alors, ben là, du coup, nous avons la place de la mairie, la fameuse place. En fait, là, on va réfléchir à faire un chemin qui va aller ici et qui va continuer par là. Donc là, nouvellement créée, une falaise sauvage. Une falaise au côté sauvage. Oh, c'est génial! Mais c'est génial! Génial, le petit drapeau. Ensuite, nous avons du coup de l'autre côté de l'île. Alors là, on a un mouton qui tape l'incruste. Je la voulais pas, celle-là. Alors voilà, donc là nous avons le petit parc zen, un petit peu ambiance japonais, avec je sais pas, une pierre zen, on va dire que c'est une pierre zen. Donc voilà, petite ambiance japonais, assez cool, assez zen. Donc là pareil, là on va emménager tout ça, hein. Bien sûr, c'est en cours de travaux. Ensuite nous avons le quartier résidentiel où se trouvent toutes les maisons, la petite cascade qui va bien sûr, la petite cascade pour justifier en fait le cours d'eau. Voilà, mais là je peux pas mettre des choses dessus. Je peux pas placer d'objets dessus. À moins que. Ah, quoique je mettrai la statue de Monsieur Rezetti en haut. Ce sera la cascade Rezetti. Oh putain, ça c'est une très bonne idée ça. Très très bonne idée. Sur le drapeau il y a marqué MT pour 1000 toines. Ouais, j'ai vu ça, ouais, c'est le logo, c'est génial. C'est déjà le logo de ton île. Je dois y aller une prochaine fois. Yes, merci beaucoup Kebab, merci d'être passé, merci beaucoup. Oh, merci pour les citrouilles. Demain, espérons-le. Pour l'instant, j'ai pas de nouvelles, donc il y a peut-être possibilité. Il y a peut-être possibilité, parce que généralement, ils m'appellent la veille pour le lendemain, mais le jour pour le lendemain. Donc là, pareil, hein, ça va être, c'est en cours d'aménagement. Pareil aussi pour la plage, hein, la plage est encore aussi en cours, on va dire, d'aménagement. Ensuite, nous avons sur la zone nord de l'île. Donc là, je vais aménager ça aussi, que ce soit plus joli, plus présentable. Le musée avec son magnifique banc en or. Et ouais, on ne se refuse rien. Donc voilà, continuons du coup la visite. Est-ce que tu as une perche? Ah, parfait. Donc là, nous avons, pareil, c'est toujours en cours d'aménagement. Là, les maisons qui vont dégager. Ça, ces maisons vont dégager. Elles vont partir, ça c'est des maisons qui vont partir, parce que là on va bien sûr réaménager tout ça, ça va partir dans le quartier résidentiel. Et là nous avons le verger, la forêt des mille dangers, où je vais mettre un Godzilla d'ailleurs. Ah bah tiens, regarde, il reste des pêches. Tiens. J'avais pas vu, il reste des pêches. Ah, il reste des fruits aussi. Oh, ça c'est intéressant ça. Ah, je crois qu'il reste encore un fruit, non? J'ai eu un fruit. Non, oui ou non? Non. Du coup, j'ai ramassé... non, j'ai ramassé des pêches, merde. C'est pas... Tu as des pêches. Et donc là, c'est le débarcadère de Rounard. Notre fameux cousin. Le débarcadère, donc du coup, ça fait une belle allée. Oh, merci. Encore un cadeau. Ah merde, j'ai misclic. Une combi de plongée. Ah merci beaucoup, mais j'en ai déjà une. Ah merde, non pas ça. C'est
Alors, continuons. Du coup, donc c'est la forêt, la forêt interdite. Nous avons ensuite à côté de la forêt interdite le camping, le petit camping. Où là, il faudra que je l'aménage aussi. Je vais mettre un petit feu de joie, tout ça. Je peux taper l'incruste, oui, si tu veux. Si tu veux. Après, on va pas trop tarder non plus. Et là, nous avons la pièce maîtresse. C'est bien sûr le restaurant de notre ami Philippe Etcheboost. Voilà, où la salle est encore en cours d'aménagement. Parce que tu vois, il manque des chaises. Hein. Je croyais avoir tout vu hier, mais là, j'en découvre encore. Et voilà, et là c'est la cuisine. La cuisine, bien sûr. Oh là là, qui chante bien. Incroyable. Et là, on peut faire pipi. Ah, quelqu'un arrive. Pam 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 pam. De Lille, Luigi. Putain, je me gèle, sans déconner. Oh, j'ai pas envie d'allumer le... Oh, merde, je fais tomber le ring, ça va pas le faire. J'ai pas envie d'allumer le radiateur. Je me dis, merde, non, on n'est pas... C'est pas encore en hiver, qu'on n'est pas encore en hiver. Je me gèle déjà, sans déconner. Bibelle. Bonjour, Luigi Mario. Et venu d'Ile Luigi. Je pensais que t'allais t'habiller en Luigi. Mais pas du tout. Pas du tout. On va aller chercher quand même. En tant que bon hôte, on va aller chercher notre invité. Ah ! Je peux plus passer ! Ah si, ça y est. Il m'a coincé dans les chiottes ! Il m'a coincé dans les cabinets ! Mon Dieu ! Oh là là, mon Dieu, non mais pas en public. Oh là là, non, Sora de Kingdom Hearts. Ah d'accord. Alors où es-tu? Ah, voici. Bonjour. Bon bah du coup, est-ce que tu as déjà assisté à la visite? Tu as déjà assisté à la visite, mais je vais vous faire visiter la maison. Ah mais c'est vrai que j'ai aussi la baguette magique. Et voilà. Oh mais il est génial le... Mario Bros et Mickey Mouse. Oh là là. Ah mais c'est génial. Là oui. Luigi. T'as le pitch complètement cringe. Oh la vache, quelle horreur. Allez, let's go, je vais vous faire visiter du coup la maison. Parce que du coup, Luigi Mario, tu as assisté à la visite virtuelle de Lille. Alors bah, maintenant, vous allez découvrir la maison. Je vais vous faire visiter la maison parce que vous ne la connaissez pas. Vous ne connaissez pas la maison.
Oh là là, oh, vous êtes bien paré, vous êtes bien paré. Donc voici du coup l'arrivée de la maison. Une belle, belle petite maison qui surplombe l'île. Alors juste, hop, je vais envoyer juste un texto. Tac. Voilà. Donc là, bien sûr, nous avons tout ce qu'il faut. Ah, on n'a pas un truc pour danser ? Ah, voilà, la gymnastique et tout. La gymnastique en bord de... En bord de piscine. Est-ce qu'on n'a pas les mottes de danse ? Ah, on danse. Oh là, incroyable. Incroyable. Ah, du coup, je vais vous faire du coup visiter l'intérieur de la maison. C'est assez cool, assez sympathique. Donc voici l'intérieur de la maison. Ah, oui ? Bonjour ! Ah, bonjour ! Et voilà, donc nous avons l'entrée, donc c'est le bureau, hein, on rentre dans le bureau, avec bien évidemment hein, les portraits qu'on ne présente plus. Hein. Et oui, c'est notre ami Jacques Chirac. L'emblème de Lille. L'emblème de Lille, c'est Chichi. Et oui. Vous savez ce qu'on dit avec Chichi, pas de Chichi. Oh là là, incroyable. Ah, alors au fond, nous avons une pièce que j'affectionne tout particulièrement, parce qu'il y a les toilettes. C'est bien sûr la salle de bain, avec les chiottes. Eh oui, et les chiottes avec la super VMC qui est juste au-dessus des toilettes, comme ça au moins quand on fait caca, c'est pratique, ça aéré. Voilà, tu peux faire un gros popo. Ah ouais, non, mais coupe pas l'aération, malheureux, il vient de faire caca. Ça va sentir mauvais. Oh là là, oh là là. Alors, ensuite, nous avons... Ah, où êtes-vous? Ah... Ici, nous avons une autre salle que j'affectionne. Enfin, j'affectionne toutes les salles, en fait. La salle de jeu, bois un coup. Oh, merde, j'ai la flemme d'aller chercher la bouteille. Luigi Mario cringe. Et oui, et ça c'est le bureau avec le setup de stream. On peut streamer, ça c'est génial, c'est génial. Alors, ensuite, nous avons... Nous avons en face, bon bah la classique, hein. Nous avons la chambre. Voilà, une chambre tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, une bonne petite chambre assez sympa. Et attention. Bien sûr, c'est une maison à étage. Nous allons passer maintenant
dans la cave. J'aurais dû prendre ma hache. J'aurais dû prendre ma hache. Ça doit donner un petit côté flippant. Une pièce que tout le monde adore. À chaque fois, ça fait son petit effet. C'est le cachot avec la salle du trésor. Et le cachot avec la cellule, avec les cellules. Avec les cellules. Alors, on a Balkany. Oh, mais... Il va voler le trésor. Quoi? Vous allez voler le trésor? Votre portrait va trôner sur le haut d'une cellule. Vous allez finir en tôle, c'est moi qui vous le dis. Pourquoi tu caches Wario dans le quoi, dans le coffre? Parce que. Parce que. Et à l'étage. À l'étage. Parce que bien sûr, il faut. Il faut quand même aussi se détendre. C'est normal. Le ring de catch. Eh oui. Eh oui, on peut... Allez. On peut se fighter. Oh là là, incroyable. Ça c'est la classe. Veux-tu dormir un peu? J'ai pas sommeil. Et voilà, et comment transformer Animal Crossing en jeu de versus fighting? Oh là là, c'est... Allez, on va l'encourager. Je suis mort, ah voilà. Allez, relève-toi! Ah merde. Et hop, on éteint. Et voilà, voilà du coup, voilà pour l'île. Voilà du coup pour l'île. Bon, c'est pas... C'est, pour l'instant, c'est pas grand-chose. C'est pas grand chose, c'est encore en cours d'élaboration. On est encore en cours de. On est encore en cours vraiment d'emménagement. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu vide. Mais bon, voilà. Ça vous donne un petit aperçu de l'île. Et voilà. Et voilà pour ce petit tour d'horizon. Donc là il y aura plusieurs espaces. Hein. Je vais mettre un sauna. Je vais mettre aussi un petit espace de jeu. Je pense que je vais mettre un parc d'attractions aussi. Je vais mettre un petit parc d'attractions et puis on verra bien. On va voir. On va voir comment on va tourner un petit peu toutes ces choses. Tu veux dire sur mon île, il n'y a pas grand chose, mais ça me ferait plaisir. Allez, on va passer vite sur ton île. On va passer sur ton île et puis après on arrêtera le live après ça.
Allez, let's go sur l'île de Milutoine. Allez, on va aller sur ton île. On va aller voir ton île. Ah bah ouais. Pas mal, ouais. Pas mal la plongée. Hein. Hop, voilà. Alors, à plus on va fermer rapidement l'île. Ah, je connaissais, je savais pas. Merci, merci pour le tuyau. Merci pour le tuyau. Allez, let's go, on va aller voir l'île de Milutoine. On va t'essayer, putain, je me pèle les mains sans déconner, j'ai froid aux mains, quoi, c'est un truc de fou. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'aimerais voyager. Allez, on va aller voir quelqu'un. Aïe, j'ai mal. J'ai mal à l'oreille. Ah, comment veux-tu choisir ta destination? Milutoine, je l'ai. Je crois que je t'ai dans mes amis, non? Non, je t'ai pas dans mes amis. Ouais, je veux pas mettre à jour ma Switch. Alors, Milutoine, dodo code, s'il te plaît. On attend le dodo code de Milutoine. Milutoine, est-ce que tu es là? Ça va être une session phasmophobia. Milutoine, donne-nous un signe. Ah, je suis Octobumi. Et attends. Ah, d'accord. Ah bah. Ah bah oui, alors j'étais dans mes amis alors, oui. Je vais aller voir quelqu'un. Genre ligne. Ok, dodoki. Papa, papa, papa. Comment veux-tu choisir ta destination? Bah, normalement, c'est d'amis. J'ai froid aux mains.
Recherche des îles que tu pourrais visiter. Ah, MT Iceland. Allez, let's go, MT Iceland. Comme ça, on visite un petit peu ton île. Bon, il n'y a pas grand-chose, certes, mais au moins, voilà, on conclut sur ton île. On conclut ce petit live. Ce petit live Animal Crossing sur Octo... Sur... Octo... Sur MT Iceland. Octo Boomin, c'est ton pseudo, merde, pardon. Le lapsus. Oh, le lapsus. Oh là là, le... Sacré lapsus. Oh là là. Je viens de commencer, je préviens. Mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de soucis là-dessus. T'inquiète pas, on n'est pas là pour juger. Tu as vu l'état de l'île, hein. Tu as vu l'état de mon île, s'il te plaît. MT Iceland, préparez-vous à l'atterrissage. Mettez vos sièges en position verticale et assurez-vous que vos ceintures sont bouclées. Il est 21h32, le ciel est clair, la température extérieure est plutôt agréable. Oh, c'est joli, petit jardin, là. Nous allons amérir, ne vous inquiétez pas, cet hydravion a été conçu pour ça. Oh là là, incroyable. J'ai froid aux mains, j'ai froid aux mains. Bonjour. Alors, fais-nous visiter. Donc là, c'est ta maison. Waouh, c'est beau. C'est joli. Alors là, ouais. Oh, c'est sympa, hein, pourquoi pas, des fontaines. Tout plein de fontaines. Qu'est-ce que nous avons d'autre? C'est la collection de robinets. D'accord. Ah, sympa. Sympa, ouais, sympa, collection de robinets. Donc là, les distributeurs, ouais, nickel. Alors, ouais. Qu'est-ce que nous avons de beau? Oh, c'est joli. Un petit pont. Oh, le petit pont, il est joli, le petit pont. Donc là, nous avons ouais, bon, les maisons classiques. C'est chez qui? Chez Kiki. Oh, on va chez Kiki. Ah, j'en connais une de Kiki. Ouais, chez Kiki. Oh putain, ouais, ça pourrait être elle. Ah merde, non, putain, elle a une sale gueule. C'est pas... Non, c'est pas elle. Oh putain. Merde, Kiki a une sale gueule. Merde. Oh merde. Ah non, ça peut pas être elle. Non, non, putain, non, non. Ah non, non. Mais il a une sale gueule, ce chat. Merde. Ch'ti minou. Oh, mais il est dégueulasse. Je clip ou pas? Vas-y, clip. Vas-y, clip, écoute. J'assume. Ça pourrait être Kiki. Putain, il se retourne. C'est dégueulasse. C'est le chat moche. Oh, putain, merde. Oh non, ça pourrait être trop... Ah non, c'est pas elle. Merde. Oh, putain. Oh, putain. Mais ça partait bien, c'était un chat, ça partait bien, ça collait à la personne. Ça collait bien à la personne, mais là, putain, mais le chat, il est dégueulasse, quoi. Oh, merde. Oh, la vache, putain, j'ai frôlé l'incident diplomatique, là. Moi, je le trouve beau, mais il est moche. Il est dégueulasse.
Il s'est passé quoi? En fait, j'ai juste comparé. C'est c'est pas comparé, mais juste dit merde. Je connais justement une personne qui ça fait qui s'appelle Kiki, son pseudo c'est Kiki. Et j'ai dit oh putain, un chat qui s'appelle Kiki, mais comme il était de dos, genre mais putain, j'ai dit tiens, c'est on va chez Kiki, tiens on va chez elle. Et puis d'un coup il se retourne, c'est un chat moche. Oh merde, oh putain. Oh là, oh merde, le gros fail. Merde. Allô? Ah, chez Nonos. Oh putain. Oh merde. Je clip et lui partage. Alors oui, bah oui, vas-y. Nonos. Oh, la gueule de Nonos. Ah, bah il est joli. Oh là là. Merde. Oh putain. Allez, je sors de chez Nonos. Oh là là là, j'ai fait gaffe. Oh. Tu fais un petit tour sur mon lit après. Après, malheureusement, vu l'heure, ça va être un petit peu just. Hein. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais avec plaisir. Pour une prochaine fois, avec plaisir. Pour le prochain live, éventuellement. Mais là, on va vite terminer. On va vite terminer parce que l'heure tourne et il faut que j'aille manger. Et puis j'ai encore plein de trucs à gérer après. Mais pour le prochain live, ouais. Pour le prochain live, volontiers, Luigi Mario. Et merci, du coup, merci pour ton follow. Merci beaucoup pour ton follow. Ah, ça m'a remis là. Merde. Ah. Ça m'a téléporté dans la maison. Après ouais, non, volontiers pour le prochain live de découvrir Raymond. Oh oh. Le trompe. Mais ouais, volontiers pour le prochain live, ouais, volontiers de découvrir ton île et puis du coup de voir le fameux Raymond. Ah là là, bon, elle est sympa ton île. Elle est sympa comme tout ton île, ami Lutoine. Elle est sympa, bon, c'est certes le début, mais c'est un bon début. Assez sympa, avec les petites citrouilles. Les petites pitrouilles. Ah, oh, le renard, il est joli, le renard, il est stylé. Ouais, le petit panier de basket, non, ça va, c'est sympa. Elle est sympa. Ton île est sympa. Elle est sympa d'ailleurs. Ce qu'on va faire, on va faire, tradition oblige, on va faire comme sur Super Mario Maker. Allez, on va laisser un joli pouce bleu. Ah merde, non, j'ai un pouce bleu. Voilà. On va mettre un pouce bleu. Moi, je veux tous les loups, mais ils sont trop stylés. Ils sont stylés, les loups et les renards là, je sais pas si c'est on dirait un renard. Ils sont trop stylés.
Toi, moi je me tape des fourmiliers à des tamanoirs, putain, c'est nul. Ou des biquettes. Voilà, hop là. Le pouce bleu. Le magnifique. Le magnifique pouce bleu. Oh là là, il est incroyable. Oh, il est magnifique. Il est magnifique. C'est le pouce bleu, voilà. J'ai déjà blanchi Viviane. Oh putain, t'as de la chance. En tout cas, c'est un bon début. J'aime bien ton île, c'est un bon début. Avec la collection de robinets. j'aime bien la collection de robinets, ça, c'est rigolo. Putain, mais il est stylé. Oh non, il est trop stylé, Monica. En tant que future star de la pop. Oh, bah ouais, c'est... Bon bah c'est une star. Ça dit qu'on allait faire du shopping. Oh, attends, j'ai à peine d'arriver. C'est une louve. Ah, c'est une louve. D'accord. Ouais, je sais pas, on aurait dit une renarde. Bah, en tout cas, elle était cool ton île, Milutoinette. C'est vraiment cool. Elle était vraiment cool. Allez, Maurice. Allez, let's go, on va rentrer. Ah, du coup, je serais curieux aussi de, bah déjà, de pour la prochaine fois, déjà visiter ton île, Luigi Mario. Mais surtout, je serais curieux de visiter aussi l'île de Prince Alitness. Tu as des loups, tu collectionnes les loups. Je serais curieux de visiter. Je serais curieux d'effectuer une visite sur ton île. Ouais, il faudrait qu'on fasse ça. Un jour, là, on se fera un petit stream, un petit live spécial. Je visite vos îles, j'irai dormir chez vous. J'irai squatter chez vous. Ah, ça peut être pas mal, ça, le j'irai squatter chez vous. Ça peut être assez rigolo. Ça peut être assez drôle. Ici, notre commandant de bord, nous arrivons à Jean Pépito. Préparez-vous à l'atterrissage. Oh là là, comme elle est magnifique, cette île. Oh là là, incroyable. Avec zéro en infrastructure. Et la température est plutôt agréable. Et ça, c'est cool. Ah là là, sacré Jean Pépito. C'est vraiment une île incroyable. Bye, moi j'y vais. Merci, Minutoine. Merci beaucoup. Merci du coup d'être passé. Merci pour cette visite de ton île qui était assez sympathique. C'était assez cool. C'était assez sympa. Et auto, on gagne en plus des Mainouk. Incroyable. Pas de souci, même s'il n'est pas encore fini. Oui, non, mais après, oui, c'est pas grave. On n'est pas là. On n'est pas là pour juger, hein, bien au contraire. On sera là pour voir un petit peu. Pour un petit peu et peut-être éventuellement attribuer un pouce bleu ou peut-être un pouce rouge hein, si l'île est nulle. C'est jamais, hein, c'est jamais arrivé, mais bon. Hein. Il se peut qu'il y ait absolument tout et n'importe quoi qui se passe. Hein. On sait pas. Dans ces lives, on ne sait pas ce qui se passe. Voilà, mais en tout cas, c'était vachement cool. Hein, c'était vachement cool. Merci beaucoup, du coup, à Luigi Mario et à Milutoine d'être venus sur l'île. C'était assez cool. Tac, je vous mets ici, là, voilà, ici, le lien du Discord, hein, si jamais vous souhaitez nous rejoindre la commu chevelue, afin de rien rater concernant toutes les actualités de la chaîne, et bien plus encore. N'oubliez pas qu'on va faire aussi, je pense, la semaine prochaine, on refera un petit peu de Super Mario Maker 2. Donc si jamais vous avez des niveaux, n'hésitez pas à les balancer dans le Discord. C'est fait pour ça. Et samedi aussi, petite session Phasmophobia. Donc pareil, dans le Discord pour venir vous inscrire pour participer à la session Phasmophobia. Bien sûr, les slots sont limités, bien sûr. Mais bon, comme il n'y a pas grand monde qui se bouscule, vous avez le champ libre. Voilà.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé ce live jusqu'au bout. Je vous dis peut-être demain, ce n'est pas sûr, c'est vraiment pas sûr, parce que du coup, je ne sais pas si j'ai un resto avec mon père ou pas, j'en sais rien, j'attends encore la confirmation. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment pas sûr. Mais quoi qu'il arrive, on se retrouve vendredi pour un live vendredi, oui, j'avais prévu un live vendredi. Oh putain, je me rappelle même plus mon agenda. Oh là là, c'est incroyable. Il faut que je le reprenne parce que je sais même plus quel jeu j'ai programmé vendredi. Je sais, c'est honteux. Vous pouvez me huer dans le chat. Hein. Il y a pas de souci. My body is ready. Donc du coup. Ah bah si. Mais putain vendredi, c'est Super Mario Maker 2. Ah, c'est Super Mario Maker 2 vendredi. Non, c'est pas la semaine prochaine, c'est vendredi. Oh, Super Mario Maker 2, les enfants. Hein. Donc voilà, la messe est dite. Donc voilà, si vous voulez me faire hurler, n'hésitez pas. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ce live jusqu'au bout. Quoi qu'il arrive, on se retrouve vendredi pour du Super Mario Maker 2. Sinon, demain peut-être éventuellement de l'Animal Crossing, je ne sais pas trop, pour que Kebab tienne sa promesse. Merci beaucoup d'avoir regardé ce live jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des futurs contenus. C'était Foals, je vous dis ciao ciao.